Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes tous là pour assister à la troisième cérémonie de remise des diplômes de l'incubateur féminin Sunganga, qui est parrainé, porté par la fondation Sunga. Je suis ravi, à titre personnel, de pouvoir être encore à cette troisième édition aux côtés de Madame Danielle, Vanessa Sungesso, qui effectivement a développé et porté la fondation Sunga et a souhaité dès le départ initier ce programme d'entrepreneuriat féminin pour aider les femmes, je dirais, dans leur autonomisation. Maintenant, on a mis en lumière des outils. On leur a donné des outils pour voir comment est-ce que l'avenir peut se présenter en tant qu'entrepreneur. Nous voulons qu'elles sachent que nous, Fonea, nous restons à leur côté pour les accompagner durant cette aventure. La Chambre de commerce, dans son rôle d'interface, elle sera toujours là pour vous apporter son soutien, pour vous apporter les conseils nécessaires pour que chacune de vous, dans le couloir qu'elle a choisi, qu'elle puisse s'épanouir. Nous sommes convaincus que c'est par la somme des initiatives de qualité et portées avec cœur, tel Sunganga 3, que nous pourrons collectivement œuvrer pour que les femmes entrepreneurs prennent leur part dans la constitution de notre PIB national. En effet, chers incubés, à partir d'aujourd'hui, vous devenez les ambassadrices donc de ce programme de formation. Et je vous annonce que vous faites partie désormais de la grande famille des femmes de demain, la grande famille des femmes Sunga, initiée il y a de cela 7 ans maintenant. Nous osons espérer qu'au travers vos parcours et réalisations, vous puissiez démontrer aux yeux de tous que la formation et l'éducation demeurent les piliers indispensables à la création ainsi qu'à la réussite de l'entreprise. Nous sommes fiers d'être les 19 lauréats retenus ayant réussi à cette sélection. Le diplôme de la Fondation Sunganga représente à nos yeux une dimension tout à fait prestigieuse et ceci pour un ensemble de raisons qui renforcent mutuellement la qualité de l'apprentissage que nous avons pu bénéficier et aller au-delà de nos espérances. Au cours de ces 7 semaines de formation, nous avons pu acquérir de nombreuses compétences entrepreneuriales, de développement personnel, de leadership, ce qui nous a permis de mettre en œuvre des stratégies dans le but de consolider et concrétiser nos projets. Je suis une femme et je pense en tant que femme, toute initiative qui est menée en direction des femmes mérite d'être soutenue. Oui, les femmes de demain rêvent, les femmes de demain font de telle sorte que leurs rêves deviennent réalité parce qu'elles sont entrepreneurs. Je vous adresse toutes mes félicitations. Voilà ce que j'avais à dire. Nesco n'est pas une agence de financement, certes. C'est une agence normative qui travaille dans 5 domaines de compétences et qui a choisi la femme, les jeunes et l'Afrique comme domaine prioritaire depuis maintenant plus de 30 ans. Donc, nous serons là. La formation Sunga nous m'a boosté personnellement en me permettant de recadrer ma stratégie, revoir mon prix de production, la chaîne de production aussi, et voir comment est-ce que je peux gérer non seulement les commerciaux avec lesquels je travaille, mais aussi de recadrer tout ce qui est stratégie et tout ce qui est projection et de recadrer ma vision. Et la formation Sunga, c'est comme je l'ai dit, elle m'a vraiment aidé moi à structurer mon entreprise.
parce que c'est vrai que j'avais une idée de projet, j'avais lancé le projet, mais je n'étais pas bien assise dans la structuration, tant sur le plan administratif, juridique et technique. Donc, tous les outils que j'ai reçus à la formation Sunga à travers les cours, que ce soit dans le marketing, dans la stratégie de communication, ou même dans le leadership, enfin le développement personnel, m'ont vraiment permis à moi de me lever aujourd'hui afin de défendre mon projet, quoi, étant donné que je suis la chef. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, je suis la CEO, donc j'ai reçu beaucoup d'outils qui m'ont permis de structurer ma marque. Je sors d'ici avec un corps rempli de joie, je sors ici transformée, je sors ici pressée, je sors ici avec de la motivation en disant que je suis cette femme de demain. Aujourd'hui, nous voici enfin à la fin de cette merveilleuse expérience. Nous en sommes tellement ravis, nous sommes désormais autres femmes. Nous ne sommes plus des femmes d'hier, aujourd'hui femmes de demain, Sunga, mais fières de ce que nous avons pu accomplir. Nous disons merci à Madame Danielle, mais qu'elle ne cesse pas. Moi, je dis longue vie à cette dame, car il y en a encore qui arrivent de cette génération qui ne cesse de s'abîmer. Madame Danielle, en tout cas, merci de continuer parce que nous avons encore besoin de tout ce que vous avez à nous donner. Merci à la femme que vous êtes. Je pense que les femmes de demain ne cesseront aussi de vous dire merci comme nous aujourd'hui. Merci. Yeah.